Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la méthode d'extraction de nématodes de Berman qui consiste en fait à une méthode avec des entonnoirs, comme vous pouvez voir. Il y en a deux. Quelques planches, quelques vis, quelques trous, deux entonnoirs, un tuyau environ 10 mm à 15 mm, quelques clips d'arrêt pour pouvoir en fait pincer le tuyau, un filtre à café, un petit panier, on va dire, quelque chose qui est quand même assez ouvert pour pouvoir laisser passer les nématodes à travers. Et le tour est joué. Bien sûr, de quoi doser votre eau, une balance de précision si vous pouvez, et puis c'est surtout si vous avez du compost, du lombricompostage ou votre sol, vous récupérez environ 50 grammes. Et puis, vous pouvez tout simplement immerger votre lombricompostage ou votre compost dans le filtre à café qui sera placé dans l'entonnoir pendant 24 heures. Alors pourquoi 24 heures? Tout simplement parce qu'au bout de 24 heures, vous allez extraire les nématodes qui sont dites bénéfiques, c'est-à-dire les nématodes bactérivores, celles qui mangent les bactéries, les nématodes fongivores, donc elles mangent les champignons, les nématodes omnivores, donc elles vont manger un petit peu tout dans la solution de votre sol, et les nématodes prédatrices qui, elles, vont un peu contrôler la population et qui vont manger en gros les autres types de nématodes. Les nématodes prédatrices, vous pouvez la voir sur YouTube sur une autre de mes vidéos, donc elle est énorme et elle se régale de ses congénères. Elle est un peu cannibale quoi. Donc celles-là, ce sont des nématodes qui sont bénéfiques pour vos cultures et celles-ci, vous les voulez dans votre sol. Donc ici, l'objectif, c'est de les extraire, puis après d'aller les mettre dans les vignes de Sabine. D'ici après-demain. Si vous attendez plus de 24 heures, par contre, vous n'aurez pas du tout la même population, donc ça va vraiment tourner anaérobie, et les nématodes bénéfiques n'aiment pas les conditions, les habitats anaérobie, c'est-à-dire les habitats sans oxygène. C'est pour ça qu'elles vont avoir tendance à toutes partir et à tomber, parce que les nématodes sont beaucoup plus lourdes que l'eau, et donc vous allez les récolter d'ici 24 heures. Au-delà de 24 heures, donc 48 heures, 3 jours, vous aurez des nématodes phytophages, c'est-à-dire des nématodes parasitaires pour vos cultures, et celles-ci, bah, je suis bien sûr vraiment que vous voulez les avoir. Donc uniquement 24 heures, des entonnoirs, ce type de dispositif, et un microscope qui peut vous aider. Sur ce, bah, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, essayez, et à tout bientôt. Merci, ciao.